Wesh, monsieur, il est mort. Il casse les couilles quoi. Regarde dans le magazine, je me gare à un endroit normal, ma bagnole elle explose et la mienne elle crame à côté. Enfin elle est détruite quoi. Ah non, pardonnez, j'ai même pas ça. Et ben voilà, on a fini monsieur. Ben moi j'ai la trouve vraiment pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais. Là c'est encore plus cher. Mais c'est pas grave. Ouais, ça va, vous trouvez que c'est pas mal, c'est pas dégueulasse? Non, franchement, premier degré j'aime bien. Ok, bah ça va. C'est pas mal, hein. Et bon, j'ai trouvé que ça allait bien, donc... Ah si, vraiment, il est très, très, très joli. Ah ben, muchas gracias, signora. Vous avez fait vraiment du bon travail, n'ayez pas peur, hein, ça va. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas eu de soucis, franchement, donc... Si, buenas noches. Ah, j'adore. Je trouve trop bien. Je pense qu'il y a eu un problème avec le téléphone. T'es une vraie voix de merde, maintenant. Ah! Eduardo, sache-le. Comment ça, il y a une voix de merde? Et t'as changé ta voix? Attends, il faut qu'il vérifie quelque chose alors. Je suis avec le noir. Comment ça? Ah, Breezy! Eduardo. Non, dis-moi. Hola, Breezy! Oui. T'es pas au club aujourd'hui? Si, viens, j'ai un plafond hein, pour toi, Eduardo. Ah si? Ok. Viens au club. Ok, j'arrive, je suis en ville là. T'as accroché? Vas-y! Vamos! Hijo de puta madre! Aïe! Ah la nuque! Ah la nuque, elle a craqué. Oh putain! Ah, y'a même pas besoin d'ostéopathe quand des trucs comme ça, il t'est dit, hein, moi! Aïe! Mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? Mais attends! Il est où le sol? Il trouve plus le suelo! Ah ça va, ok. Ouais, putain, c'est pas possible, hein. Et heureusement que j'ai fait les cours de yoga, hein, parce que, il te jure. Mange mes fesses. Ouais, allez, c'est bon, hein. Bah, on commence à dire à comer le culo, c'est bon, hein. Ah, et putain, mes vêtements, ils sont. Hey, qui est pris, qui croyait prendre, hein, comme on dit, hein. Ah. Ouais, ça abruti, tu sais pas rouler ou quoi? Et c'est toi qui parles en sens unique, la bordel de merde, non? Ouais, hermano, vas-y, roule bien, voilà, parce que... Ouais, c'est ça, mais toi, t'es en sens unique, espèce de couleur de merde. Attends. Après, vache qui, il a de quoi tenir la noche, maintenant. Et le barman aussi. Brésil, t'as raison. Je ne vais pas donner assez de café. Il continue à le bourrer, mais j'arrive pas à le réanimer. Brésil. Bah vous vous placez où vous voulez, hein. Yeah, un café gratis pour la maison. Et de nada. Je sais pas. Ferme-la, Maria. Dégradé mal fait, les contours à la règle. Je sais s'il y a un responsable ou pas. Qu'est-ce que tu me veux là? Tes lunettes car achetées au client. À quel doigt? Tes chaussures achetées à client court. Comme toi, qu'est-ce que tu me veux avec tes mocassins pointus là? Calme-toi, chaudou, ton monosourcil qui font des enfants. T'es un menteur, mon gars, j'ai pas de monosourcil, frère. Calme-toi, tes dents, j'ai des morceaux de sucre. Merci toi-même, parce que. Bonne soirée, monsieur. Allez, avance, qu'est-ce que tu me veux avec ta crête? Ils sont trop cons, hein. Tu faisais tantôt. C'est bon, hein, j'ai acheté la tablette. Hein. Oh, les magasins à côté des caféine pile, il était enfin ouvert, j'y peux aller m'en acheter une. Calme. Mais c'est tout. C'est sûr qu'elle est bien. Hein. Si.
Il est même... Je vais te capter maintenant, Tantou. Pourquoi tu l'avais sorti? J'ai pas cramé. Ok. Pero, pour pas avoir trop de problèmes après, faudrait que je me trouve un endroit pour dormir dans le coin, on va dire. Genre. Ah. Genre par le bâtiment là, ou je sais pas quoi. De toute façon, je m'en bats les cojones si c'est bien. J'ai l'habitude de dormir dans la rue maintenant. Du coup, ce que je voulais faire, c'est. Je mets ça dans la, dans l'agua. Toi, tu viens me chercher, tu me le déposes ici, ça va? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. T'inquiète. Allez. J'ai même pas eu le temps, j'ai voulu faire la prière. Fais la. Ah merde. Mais y'a rien du tout. Elle est déjà au fond. Ah non. Mais t'as été un peu trop vite, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'y voulais. Ah oui, oui, mais j'ai... Même moi aussi, j'y ai passé juste après. Ah oui, c'est pas grave, hein. Il y a la GoPro de toute façon pour ça. Et si on travaille déjà ici, c'est déjà un soupeau de Satan. C'est vrai, tu es déjà dans le côté ange démon. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Me manque juste t'as les... T'as l'air plus d'un démon, toi, non? Ah si, attends. Bon, j'ai pas ce qu'il faut exactement, mais bon, après... Ah, je me souviens de toi. Ah si, tu vois. Je me souviens de toi. Quand il a mis le masque à la tête d'un chat, c'était lui. Il est passé pour le soirée, mon frère. Si, si, muchas gracias. Voilà, après, si. Ouais. Tu le vois comment avec une peinture, les bisons, là? Oui, oui, oui. D'accord, ok. C'est difficile, j'ai l'impression, de Léon, les véhicules. De quoi? Le véhicule, ouais, c'est censé être le véhicule du club. Attends, ouais, je vais l'arranger et le ressortir parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé. Léon. Ouais. Ça fait 2 heures de suite, surtout. Hein. C'est ça qui est gonflant. Oh, ok. Mais Breezy, là, comme ça... C'était l'entreprise à sa mère, tu vois. Breezy, comme ça, il a le droit de blacklist directement des gens ou pas? Oui. Ok, ça va. La prochaine fois, il faudrait vraiment qu'on puisse le faire parce que... Ah mais oui, est-ce que t'as pris sa carte d'identité et tout? Oui, lui, je l'ai. Là, tu l'as? Mais c'est bon, tu le blacklist, tu peux le faire si tu veux. Ok, il faut que je voie sa tête. Et par contre... Je vais faire ça. Ouais. Putain, il a une serpillère dans les cheveux, tu peux le savoir. Ça a planté qui, là? Ça a planté lui. Attention. Oh là là... Voilà, fallait que ça parte en... On n'a pas d'armes, nous, en plus. Le truc, c'est que les mecs, ils se font braquer par 3 personnes en même temps. Et ils essaient quand même de se défendre. Bah ouais, nos filles. Pardon, je parle chinois. Et j'entends, lui, du coup, bah, tu vois, je l'entends que c'est lui, il n'y a que lui. Il y a... Oh là. Fils de pute, une tour dessus comme ça, là. Voilà, chatte à sa mère, une tour dessus, lui. Et quoi, cette ciudad de merde? C'est des merdes, regarde. Attention, madame! Mettez-vous à couvert! Culé, je sais pas comment. Madame, c'est Axel, le muscle A de Axel. Voilà. Ah. Voilà! Oula, il y a une grille! Ah, c'est pas grave, madame. Oula. Mettez-vous à couvert! On va prendre une balle perdue, madame. Ça tire. Et du coup, j'attends ça, je me retourne pas, tu vois, je vais pas faire de problème dans le. Mais c'est pas que ça va faire. Wow. Mais c'est pas grave. Du coup, là, j'attends de passer de l'autre côté un peu, tu vois, dans le. Je cherche des bons équipiers, on va dire. Mmh. Ah, qui fait des bonnes activités, tu vois. Ouais, donc, bah, moi j'ai une arme. Non, mais dis-toi. Ok, on fait comme ça, si. C'est le mec avec les cheveux bleus, il a dit. Mon pote, il a dit comme quoi t'étais une grosse pute. Ouais, comme sa mère, allez, c'est bon. Bah c'est lui, chef, regarde, ils viennent à mes pieds, regarde, c'est des chiens, ils viennent à mes pieds, regarde. Ils ont faim de moi, ils viennent aux pieds à papa, regarde. Allez, aux pieds. Tu vois, ils viennent aux pieds, ils ont trop faim de ma queue. C'est parce que c'est un PD, ils aiment les bites, ça se voit. Il y a rien qu'à la tenue, frère. Ouais, ne redis plus le P-word, s'il te plaît. Oui, c'est quoi, ça, non, le P-word. Le P-word que tu viens de dire, normalement, c'est visa Mexique indéterminé. Mais qu'est-ce que t'as? C'est un mot interdit, frérot. Et putain, j'ai essayé là en ville depuis 2 mois, je sais quand même pas quoi, je me suis pas devenu handicapé là. C'est. Commence pas à me caresser l'oreille, je sais pas quoi, j'ai encore mes jambes, je sais encore les faire bouger, je te jure.
ça va, il n'y a rien de grave. De grave? Mais si, c'est ça qui est grave, justement. Non, mais quand je dis grave... Ah si, 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 grave. Bien sur le G de... Ah si, si, j'ai tellement compris ce que tu m'as dit, mais c'est ça qui est le plus grave. C'est que j'ai suis handicapé. bon... Et si tu me donnes un coup de poing, peut-être, pour essayer de me remettre les idées en place. Ce serait pas exceptionnel, cette situation. Ah. Ah merde, ah, putain. On j'avais une oreillette en moi. Excusez-moi, attendez, je vous écoute. Pour Monsieur Vargas, on le laisse encore un peu réfléchir pour les postes de RH ou... Moi, comme j'ai dit, de toute façon, ouais, il faut au moins que... Il ouvre un ticket sur l'intranet et puis on en discutera. Ok, ok. Comme j'ai dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut qu'il attende au moins d'avoir le salario de l'autre travail. Ouais. Et après, voilà quoi. Oh, wow! Et voilà. Et mais c'est machiavélique, quoi. Maintenant, ils sont obligés de s'arrêter au restaurant parce qu'ils peuvent plus passer. Non, on dirait Merco, non? Enfin, mais... Et après, tu sais ce que tu fais? Tu loues un vélo, tu le mets de l'autre côté. Regarde! Mais c'était la police, ça n'aura rien, les groupes sexes. Le pauvre groupe 6. On va avoir un accident, pas vraiment. Mais Harry! Harry! Tu connais la série Sliders? Non. Sliders, les mondes parallèles. Ah, ok, si, ça m'a dit quelque chose. Quand t'es passé dans... Il y avait une fissure dans le muret, là. Ok. Et quand je suis tombé dans le muret, j'ai un saut en parachute magique. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est... ça relève de mes pires trips à l'ecstasy, hein, je t'ai dit. Je comprends pas trop. Mais moi aussi. Ah, en vrai, tu roules à contresens, y'a tout le monde qui doit s'arrêter. Hey, le gars derrière nous, il faisait pareil que toi. Regardez. Allez, allez. Les gens, ils sortaient pas là comme ça. C'est normal que... Si, regarde, elle est derrière. Ah, c'est un peu l'ordre de son. C'est hyper chiste. Combien vous êtes payé, monsieur, après tout? Ah... Pas tout. Je dirais pas. Excellent. Après, il y a un son à moi. Tu veux écouter? Si, vas-y, hein. Il s'appelle Me Gusta. Me Gusta. Me Gusta la Casolina ou... Non, c'est pas celui-là, gusta, hein. Non, Me Gusta la Damiana. Si tu m'as dit que c'est toi qui chantais ça, là, je deviens loco, attention. Ah, hey, Brizzy, ça dit que quelqu'un il a pris la grosse boule blanche dans ses mains, tu m'expliques? Ça te rappelle le pays? Alors, j'avais littéralement tombé dans les pommes. Donc, il va falloir me porter éventuellement. Et pourquoi? Ah non! Parce qu'il n'y a pas faim, il n'y a pas mangeable enfin, du tout. Attends, mais non. Qu'est-ce qui. Non, dis-moi pas. Non! T'es sérieux? Oh, je sais pas. Catalina, on a un problème. C'est pas ça? Ça me termine, je venais d'acheter un gras en plus. Moi, ce qui me fume, c'est que. Il me dit, les gars, on va falloir me porter. Je dis pourquoi? Parce que j'ai rien à manger et puis là, il s'effondre. Non, il est toujours le. Il avait lui donné le badge VIP. Le timing, il était quelque chose. Vous pouvez rentrer. Non, il y a un médecin qui arrive. Un médecin. Ah, on attend ici? Ah, ok. Oh, ça va jamais marcher, mais peut-être que tu auras le souhait. Hein. Wouah, diamant! T'en faut 13. 13, 13, allez, encore une. Non, fils de ta mère. Ah, tu vois, comme tu dis dans ta canzone, hein, la mala suerte. Hein. C'est bon, là, maintenant, pour ta boisson et tout ça, tout va bien? T'as pas soif, t'as pas faim? Non, mais justement, ouais, j'ai pas... Non, ça va. Ok, sinon tu me dis, hein, ça va. Machete, il y a plein de noms, de trucs comme ça. Parfois du narco corrido aussi, c'est la musique qu'ils font en Argentine. Ah ouais. Ou quoi? Attendez les frères, je vais mettre un son. Parce que du coup, je vois qu'elle danse plus. Elle aime plus trop le son, je crois.
Elle est vexée. Bah non, parce que du coup le son elle danse plus dessus. Après, la vérité, il est pas ouf le son, les gars, parce que... Arrêtez, j'ai mal au ventre. Ah, c'est bon, j'y vais en détour. Ok, j'y arrête, ça va. Mon avis, il fallait peut-être avant d'aller dormir. Eh putain, j'ai fait 3 200 $ hein, pour avoir vendu 10 paquets. Il y a le. Merde, comment ça s'appelle ça là, le bâtiment pour monter en haut du Mont Chiliad. Ah, si, si, ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il m'a vraiment matard, hein. Il a rien compris. Vas-y, viens, on va là-bas. T'as vu, oh, regarde nos couleurs, on est à l'inverse comme ça, avec le sac et le haut. Et pourquoi c'est moi qui conduis, en fait? Ah fou, je suis fatigué. Si tu veux, j'ai pas conduit à l'époque. Les soucis, un tracasse.